Bonjour les Minecraftiens, ici c'est B35 l'archer, on se retrouve sur Minecraft, vous êtes offert la série Minecraft Vanilla en compagnie de Kiki35. Bonjour. Salut. Kiki. On se retrouve à l'épisode 4 de la série après une explosion de creeper, c'est le matin, et jusqu'à ce que le jour se lève demain, et ben on va tourner cet épisode, donc ce quatrième jour d'aventure sur Minecraft vous êtes offert, donc Kiki est toujours là. On est que deux cette fois-ci parce que personne n'est connecté. Oui, enfin il y a des gens connectés mais ils sont pas vraiment disponibles en fait. Enfin ils, ouais. Ils ont pas que ça à foutre quoi. J'ai comprends. Je vais me refaire une épée en stone parce une pioche en stone parce que l'iron elle va vite s'user et puis. J'amène un stack de cobble, du bois j'en ai, des sticks, un peu plus de bois. Hop. Un peu de cobble. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça pour faire des torches et moi je vais partir miner dans les profondeurs insondables plein de microbes de l'oubli. Ouais, moi aussi je vais me prendre des torches. Au fait, et je vais miner. pendant que tu regardais pas, j'ai coloré le collier de ton chien en violet. J'ai vu. Je suis gentil hein. Ouais, c'est aussi moche. Et j'ai oublié de prendre une pelle. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire autre chose. Je vais faire quelque chose de différent. Je vais pas miner en ligne droite comme ce qu'on avait commencé de faire. Ça va être un chemin possible, mais il y en aura d'autres. Parce que là, je vais miner comme ça. Mais bon, du coup, il me faudrait des échelles. Et maintenant, je peux plus remonter. Hashtag noobie. Alors, on remonte, on se fait des échelles et blablabla et blablabla. Hop, bam. Oups. Pas du tout ce que je fais là. Hop, avec un stack de stick, on fait 27 échelles. Bon à savoir. Ah. Donc là j'ai 45 échelles, je peux descendre assez bas quand même. J'y vais. Ah, tu descends en échelle toi? Oui, sur deux blocs de large. Comme ça, ce sera pratique. Oui. Bon, et eh bien, c'est très l'ambiance. Bon, c'est mercredi après-midi. Hein. Je mettrai peut-être une petite musique derrière. Et hop, un flag, et un strike, et plus de chaîne. Merci, YouTube. Je vous remercierai jamais assez. Il faut vivre un peu fort, là. Quand même. Ça c'est un truc vraiment lourd, c'est le placement des échelles. Hop, obligé de faire un clic droit pour une échelle alors que moi je reste appuyé sur le clic droit. Ça en place n'importe où, c'est horrible. J'ai pensé aux torches, j'ai pensé à tout. Mon inventaire est bien rangé. L'arc un peu aux F. Dans une caverne, alors. On va attendre qu'il n'y ait plus du tout de luminosité. Si vous vous demandez pourquoi c'était plus long, c'est parce que j'étais sur l'échelle. C'est une drôle de logique, mais c'est comme ça. Voilà. Ah, j'ai trouvé la grotte. La grotte qu'Eldaemon avait faite. Ouais, voilà. C'est ça qui est bien. Ouais. Parce que le minage opti, pas en caméra quoi. Donc on est au milieu de la phase de jour. Ouais. 5. Alors que je suis à couche 18. Ça va passer. Bon, moi je cherchais des mines. Hop, voilà. J'ai fait la grande mine. Oh putain, le coup de bol. J'ai du diams. Viens voir. C'est trop beau. Ah bah attends. C'est trop beau. C'est juste attends, j'arrive. Sublime. C'est juste magnifique. Je vois pas pourquoi j'ai pris deux screenshots alors que le diamant était même pas dans le champ. Parce que je voulais désactiver le F3 sans doute.
crois que la touche F3, je vais la mettre ailleurs que sur F3. Ou bien la touche F2, je vais la mettre ailleurs que sur F2. Tu es où? J'arrive. Tu es où? Je suis dans l'eau. Ah, dans l'eau. Tu me vois pas? Tu dois pas être bien loin. Non, je te vois, je t'ai vu passer. Bah. Je suis derrière. Tu l'as. Ah, t'es là. Attila. Donc, on a un bol pas possible pour cette début de saison. Au quatrième jour, on a déjà du diamant. Bon, bien sûr, si on est du point de vue de grands youtubeurs, bon, il n'y a pas encore d'eau, mais bon, on peut déjà faire ça. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Oh, la chance. Date, coup de bol. En plus, il y a l'air d'y en avoir beaucoup. Il y en a déjà deux de visibles. Trois. Putain, on tombe sur un gros filou en plus. Oh là là. Mince, j'ai mentionné le nom. Faudra absolument que je supprime ça au montage. Un membre est parti, mais... C'est lui qui trouvait le diams, mais finalement... Putain, mais il y en a... On va bien se démerder, quand même. Il y en a plein. 1, 2, 3, 4. Quoique, non, ce serait mieux qu'il y en ait eu 5, plutôt que 4. Mais bon. Ah bah, quoique, 1, 2, 3, 4... Ouais, on en a 5. On a 5 minerais de diamants. C'est trop beau. C'est trop beau. T'as une pioche en fer? J'ai une pioche en fer, oui. Ouais. Donc je prends bien la précaution d'isoler complètement le minerai. Hein. Faut absolument pas qu'il y ait un risque que le truc tombe dans la lave, on sait jamais. Et voilà, le filon. Allez, allez à Jacques, je mine. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh bah c'est déjà pas mal. Ouais, on va pouvoir faire des trucs importants à faire avec du diams. L'objectif quand j'ai fait cette mine, c'est de trouver un jour peut-être du diamant. Oh bah non, c'est déjà là. Tranquille, hein. Bon, on a beaucoup de chance sur ce début d'aventure. Par contre, le jour passe, l'épisode aussi. Ouais. Et c'est bientôt là. Et c'est bientôt la fin de la journée. La fin de la journée, donc il y a bien sûr la phase de nuit, hein. Un peu comme dans Sonic Unleashed. Vous savez le jeu où Sonic se transforme en loup-garou. Vous voyez de quoi je parle. Bon, je me crafte la pioche en diamant. Je laisse les deux autres diamants dans le coffre. Tu ne les prends surtout pas. Non, t'inquiète. La 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 la. Ho 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 ho. Je vais aussi laisser la pioche en diams là, on n'en a pas encore besoin vraiment. Oh, quoique je vais éliminer. C'est ce que je suis en train de faire. Ah ouais. Bon, on va miner chacun de notre côté et puis on verra bien. Hein. Ouais. Hop. Ouf, c'était juste. J'ai bien failli mourir sur ce coup-là avec la pioche en diams. Donc on mettra de l'eau au bout, hein. Ça c'est pas un problème. Bon, bah je vais miner au petit. On va pas ellipser, hein, parce que... Amy, ce qu'on fait, c'est qu'on ellipse en mettant une game rule qui empêchera le jour de passer. Et puis après, on reprendra. Ok, on va faire comme ça. Attention, minopée ouais. Re, on a trouvé une grotte. Bon, j'ai claqué ma pioche en pierre sur un zombie, c'est pas grave. Par contre, ce qui serait bien... Où sont les torches? Ah, elles sont dans mon inventaire. C'est la viande que je cherchais, surtout. Parce que ce zombie, alors, je remettais la game rule pour que le jour passe, donc... Ah tiens, si tu veux du bleu pour ton chien, j'en ai trouvé. Ah, cool. Donc il y a du charbon ici. Ouf, je suis fou. Il y a de la lave, donc c'est parfait. La lave, je vais m'en servir, je suis pas fou à ce point. Je prends le charbon. La grotte est pas très grande, hein. Il y a juste un peu de lapis, un peu de charbon et je mets ça à la pioche en diams. Je suis pas un peu fou. Je viens de miner du charbon à la pioche en diams. Tu diras ce que tu voudras, mais bon, je pense que ça se fait pas, quoi. C'est pas poli. Et puis c'est vraiment pas bien, quoi.
Oh bah, bien miné tout le charbon. Il y a du fer juste derrière. Je crois que je suis un petit peu trop chanceux là. Ouais, moi aussi. T'as trouvé quoi? Pareil que toi. Minant du charbon, je trouve du fer. Ah bah. Je croyais que c'était qu'un filon 2, mais en recreusant juste à côté, j'en trouve d'autres. Et voilà, c'est un filon de 4 en fait. Bon. Bah on va s'en servir, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hop. Voilà, voilà. Donc j'explore la grotte dans ces... Bah voilà, j'ai fait le tour. Voilà, donc on va remonter, se crafter tout ce bazar. Franchement, on a du bol comme c'est pas permis. Donc déjà, on trouve du fer au bout de 2 minutes de minage. N'est-il pas? Et bien sûr, on mine en ligne droite, en dessous de ses pieds. Il y a à peu près une chance sur 300 que ça arrive. On trouve du diams. Direct. Bon, 300, je dis ça, je dis rien. Ah bah tiens, ça a changé les vitres. Ouais. Je crois que... Je lui donne du bleu à ton chien? Ouais. Voilà, je lui avais redonné du rose, mais bon. J'adore se troller avec ça. YOLO! Squelette! YOLO, squelette! Bon, je vous rappelle qu'à la fin de la nuit... C'est la fin de l'épisode. Bon, la nuit se lève, là, mais... Donc la cloque est cheatée pour ceux qui nous rejoindraient. C'est pour bien savoir quand c'est la fin de l'épisode, enfin la fin de la journée. Hein. YOLO. Ouf. J'ai rattrapé un item au vol. Les humains tombent plus vite que les items. C'était juste épique. Les viewers verront ça. Je laisse tomber de la bouse, je saute, et je rattrape la bouse au vol. Je sais qu'IRL ça rend pas bien, mais bon. C'est un peu moche. Allez. On va se faire quelque chose de bien. Ouais, foutu les boules, l'araignée. Hop, on fait brûler ça. On prend 3 bidules. Et on fait un saut. Hop. Voilà, donc épisode de chance aujourd'hui. J'ai une question, est-ce que dans le titre je spoil qu'on va trouver du diamant? Ça pourrait être un beau titre, mais bon, c'est spoiler quoi. Moi, comme tu veux. Ouais, moi je sais pas. Bah, je la bien. Chance, tu peux. Je verrai bien, de toute façon, c'est dans un peu. À peine. Donc, c'est dans une semaine qu'on publie, j'aurai largement le temps de décider du titre. Pendant ce temps-là. I think I get this is mine, mine. Mince! Je remonte. Hop. Voili voilou. Et je remonte, et voilà, par magie, c'est instantané, voilà, donc on reprend un peu d'eau. Ah mince, j'ai donné un coup à ton chien, il s'est téléporté à toi. Ah ouais. Tu ferais bien de le nourrir parce que je crois que je lui ai fait très mal. Et je crois qu'il m'est hostile, encore. Ouch, ça fait mal ça. Bon, ce qui serait bien, c'est d'avoir une source, ce serait que je me fasse un deuxième bucket, parce que c'est bien quand même. C'est beau les barreaux qui défilent. Je vais me faire un deuxième bucket. Tu vas me dire on peut faire des trucs beaucoup plus utiles avec le métal, d'autant plus que je n'ai pas d'armure, mais bon moi. Je suis désolé.
Et puis je vais me crafter des petits trucs avec le fer qu'on a en plus. Faut pas croire, hein. Je suis un être humain comme tout le monde. Hop, on a plus de fer. Yolo. Si moi j'en ai encore 21. Ah. On a du fer. Donc comme vous voyez, c'est très utile, hein, pour descendre cette petite source d'eau sympatoche. Hop, on va aller là, voir un petit peu la source de lave. Allez à Jacta Est. Et voilà, il n'y a plus de lave. Donc ça c'est le minage d'obsidienne, c'est toujours la même chose, hein. C'est un peu long. Mais ça se fait. Il faudrait que j'en aie 14. 14 blocs d'obsidienne, tu penses que ça se fait? Pourquoi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, bah. Si on n'a pas en dessous, j'en ai que 12. Mais bon, c'est pas grave. On pourra déjà faire le portail du Nether. Pour la table d'enchant, on attendra un petit peu. Quoique, ce serait bien d'être enchanté avant d'aller dans le Nether. Ouais, ce serait mieux, je pense. On essaye de faire en priorité la table d'enchantement. Oh, oui. On pourra même se faire les deux, tu vois. Il y a encore de la lave en dessous. Ah ouais, cool. Voilà, on a de quoi. Je fais le petit système sécurisé que tu connais bien. On met de l'eau à un endroit et puis on mine dans l'eau. Et puis comme ça, s'il y a de la lave en dessous, et bah yolo swag. Ouh, ça c'est dangereux par contre. Mais ça veut dire qu'il y a de la lave aussi en plus. Il y a de l'obsidienne aussi en plus. On va même pouvoir faire des constructions en obsidienne. Une cabane anti-creeper par exemple. Sauf que c'est moche. Alors j'en ai combien là? J'en ai 7, c'est nul. Hé, t'en vas pas. Hop, 8 obsidiennes. Plus que 2 pour avoir la dizaine nécessaire au portail du Nether. Au quatrième épisode, c'est plutôt bien. Hé, mais en regardant ma cloque, c'est la fin de l'épisode, les amis. C'est pile poil le moment où je regarde quel bon. Donc voilà, je suis l'horloger suisse. C'est la fin de l'épisode, les amis. Donc on va se retrouver pour l'épisode 5, toujours avec Kiki et peut-être un autre au fil de l'épisode. Donc pas de lecture des commentaires entre tout ça. Bon, on va pas faire beaucoup plus, hein. Faut bien lire vos commentaires. Vous nous donnez des idées de défis à faire sur cette série ou de choses comme ça. De choses à faire. La série est interactive. Elle s'appelle Minecraft vous êtes offert. Tous les commentaires sont lus. Donc n'hésitez pas à faire le vôtre. Sur ce, je vous dis au revoir. C'est DCLB. Au revoir.